Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de WebPress. Oh, wow, on s'est manqué, on va dire 2 semaines d'absence. D'abord parce que j'étais à l'étranger, et ensuite à la semaine dernière, un tout petit problème de santé a fait en sorte qu'on ne soit pas en contact. Là, je me sens assez mieux pour vous servir. C'est un réel plaisir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'être toujours à votre service. Je vais très bien. Merci pour de nombreux appels, messages de soutien, d'encouragement, de félicitations. L'avenir du Congo est beau, il est grand. Lumumba l'a dit. Etienne Tshisekedi l'a dit. Rossi Mukindi a paraphrasé. Je vais pour dire que le peuple gagne toujours, il gagne toujours, il gagnera toujours au service du peuple et de la nation. Nous ne cesserons pas de le dire. Merci. Afridi Kipimo de l'autre côté de la baie vitrée qui est avec nous dans la réalisation, la coordination même de cette émission WebPress à la présentation Peter Tiani Malembe, les descendants des Moukouarons. Que je suis. J'ai 3 invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons parler de grands sujets d'actualité qui défraient la chronique. Le premier sujet, il faudrait commencer par compter le mandat de Fatih à partir de l'investiture de ce gouvernement. C'est une proposition faite Wankwenda, si j'ai bien prononcé son nom, un cadre de l'UDPS qui a réfléchi à haute voix. Que dire de son idée? Parce que les grands hommes réfléchissent des idées, les hommes moyens réfléchissent des événements et les petits hommes réfléchissent des individus. Nous allons réfléchir sur ces idées. Deuxième dossier, des députés révolutionnaires. Il y a un certain nombre de députés, plus de 100 d'ailleurs, on parle de 138 ou d'environ 200, pas d'accord avec le gouvernement Samalou Kondé, on parle de 25% de Kasséiens, on parle de certaines provinces qui ne se sont pas représentées, le Kwilu et d'autres. On va essayer de réfléchir sur la position de ces députés pétitionnaires. Pourquoi ne pas poser un mot, juste un petit mot, sur la hausse des prix des denrées alimentaires sur des marchés, les prix ont doublé. Le prix ont doublé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous allons réfléchir ici sur ce plateau. Il fait sa première apparition dans cette émission. Un confrère pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. On est amis, proches, mais malheureusement, je ne l'ai jamais reçu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'en recevoir Charles sur mon plateau. Bienvenue, j'allais dire Frangin. Merci beaucoup, je suis content. Toujours Amen TV. Bien sûr, je suis Amen TV. Oui, je suis Amen. C'est l'apôtre Léopold. L'apôtre Léopold Mutombo. Un grand serviteur de Dieu. Exactement. Qu'on connaît par la démonstration de miracles. Hein, oui, d'abord, miracle, oui, mais c'est l'apôtre Mutombo est d'abord connu comme un grand prédicateur de la parole de Dieu. C'est lui qui a fait beaucoup de révélations. Si dans l'histoire de l'évangile, il y a un apôtre, un serviteur de Dieu qui a révélé les mystères du tabernacle, il s'appelle bien Léopold Mutombo Kalombo. Et ça fait plusieurs années qu'il révèle des grands mystères de la Bible. Très bien. Et Dieu accompagnait sa prédication des signes et des prodiges et des miracles surnaturels. Mais on doit avouer que depuis un certain temps, les miracles la qui se destruction des hôtels. Voilà, le vent de la destruction des hôtels. Depuis que Léopold Mutombo a fêté ses 50 ans d'âge, en tout cas, Dieu l'a amené dans une autre dimension. Très bien. Voilà. Clin d'œil, pasteur, apôtre Léopold Mutombo Kalombo, avec toute l'église, ministère Amen, au niveau de 8e rue Limité, à ce grand temple où Dieu visite souvent ses âmes. On vous fait un clin d'œil, vous me suivez là-bas. Je fais aussi un petit clin d'œil en passant au pasteur Jean Bosco Kindomba. Il est du côté de l'église à Victoire. Hein? Vous comptez le sang précieux. Le sang précieux, Jean Bosco Kindomba, clin d'œil, pasteur, à la grâce, le message de la grâce. Parce qu'il est des gens dans la vie qui ne peuvent pas comprendre comment ils sont toujours devant. Beaucoup de choses sont faites souvent par la grâce. Et je termine par le pasteur Mbamba Albert Gédéon, Christ vainqueur. Pour réussir, il faut être vainqueur. Parce que Christ l'a vaincu. Nous sommes vainqueurs. Parce que nous croyons au sang de l'agneau. Eric Wemba, tu y crois peu. Je ne veux pas parler de ta religion. Non, parlons pas, nous sommes dans un pays laïque, il ne faut pas exagérer. Je crois que la RDC prend la laïcité. La liberté d'expression veut que je salue
Ici, la foi, on peut l'exprimer ailleurs ici. Mais comment tu... C'est la laïcité de notre pays qui... Toi, tu exprimes ta foi. Je ne l'exprime pas parce que ce n'est pas les cadres. J'ai là où j'exprime ma foi, donc il ne faudra pas faire... Ici, tu peux saluer les gens avec qui tu pries. Non, pas du tout. Non. Ce n'est pas les livres. Moi, je suis venu ici comme journaliste. Pour analyser. Et les journalistes ne les prient pas. Être journaliste, tu ne peux pas être chrétien. C'est un contexte. Chaque chose, son contexte. Journaliste, je remercie quand même Charles Lequin qui vient de faire l'éloge de son pasteur. Fidèle spectateur, je suis journaliste, je suis chrétien, je crois en Jésus. Pour moi, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom sur lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus. Monseigneur Moussingo était président de la Conférence nationale souveraine, chrétien de son état. Mais il demandait, il n'imposait pas sa foi, il disait une minute de silence, à chacun de prier à sa manière. Donc quand vous animez une émission dans un pays laïque, je te permets aussi. Non, donc ce n'est pas les liens. C'est-à-dire, je n'amène pas. Tu dis ce n'est pas les liens. Alors, mais il ne faudra pas. Ton frère qui travaille dans une entreprise de presse dont le patron est un pasteur. Oui. Pour qui moi j'ai beaucoup d'estime. C'est son droit, je le respecte. Mais j'ai rappelé seulement la laïcité de la République. On te sent mal à l'aise, on ne sait pas où je ne suis pas mal à l'aise. Pas seul qui sait. On a fini. Oui. Allez. La liberté, même des religions. Ici, nous sommes dans une situation cruciale. Tu amènes le combat même dans la les religion. Les combats, non pas ici, parce que ici, pendant que vous êtes en train de prier, parce que la religion peut devenir l'opium du peuple. Quand le peuple oublie l'essentiel, il est dans des églises pour chercher des miracles, au lieu de combattre pour la justice dans sa société, la religion devient un danger. Ça devient une question de mentalité. Oui, la religion devient un danger. Parce que je suis contre une certaine religiosité. Quand la religion devient l'opium du peuple, ça devient un danger. Un danger. Aujourd'hui, nous sommes concentrés ici pour libérer notre pays. Ok. Moujahidi du peuple, Nico Faye. Prédicateur national. Bienvenue. Merci beaucoup. Mais j'aimerais aussi dire un mot par rapport au Covid. Il ne faut pas oublier que... La vaccination commence lundi. Il y avait un évangéliste planétaire qui s'appelle évangéliste Claude Kabundu-Walesa. Je me rappelle, il avait prédit... Planétaire, oui. Il avait prédit qu'il y aura Covid, mais Covid n'aura pas beaucoup d'impact au Congo. La preuve en est que vous êtes en train de voir que... Oui, mais nous avait dit qu'on va atteindre le pic. Voilà, mais posez-vous maintenant la question. Oui, mais nous a beaucoup fait peur avec cette question de Covid. Pic, c'est la pire qu'on sort. On commence tout le monde là-bas. Congo Bololo, chaque jour. Et vous savez, beaucoup, Congo Bololo, Lumba Lumba, Biloko, Sinda. Et ça fait même des victimes dans certaines familles. Mais parce que les gens ont oublié qu'il y avait un évangéliste planétaire, Claude Kabundu-Walesa, qui avait prédit que malgré tout ce qu'on dit, Covid ne fera pas des victimes au Congo Kinshasa. La preuve en est que les victimes sont à rechercher. Est-ce que Bokocha Tembeke, Claude Kabundu-Walesa, Alobaki était Alobaki? Voici des hommes de Dieu dont nous avons besoin. Alobi, le Kamwe Salami. Est-ce que ma victime, est-ce que là, comme moi, Nango, première victime au Congo, à la Kisa, Isaac Kouta. On a compris. Le message est passé. La vaccination, ça commence lundi, hein, le 19. Qu'en pense mon pasteur Turbo? Mais fille, il s'appelle comment? Le pasteur Turbo avec la prière Turbo. Où allez ça? Non, dôme de Founa, oui. Forgeron, comment le nom de mon pasteur? Walo Mouchenga. Pasteur, je voulais vous faire un clin d'œil aujourd'hui. J'ai l'impression que je me suis réveillé avec le Saint-Esprit pour dire un clin d'œil à tous les pasteurs. Pasteur Walo Mouchenga, la dernière fois qu'on s'est vu l'année passée, on a parlé du pays, j'étais fier de la structure. Bon courage, continue à prier pour nous, Dieu est avec nous. C'est une question à 30 secondes, fausse ouverture. Pour ou contre la vaccination lundi? Vous allez envoyer vos enfants, vous allez le faire vacciner? Bon, 30 secondes quand même pour une... Oui, parce qu'on va passer à... Non, mais attendez, pour un sujet extrêmement la question important est fermée. Qui concerne la vie des Congolais, je pense qu'on ne peut pas une minute. Accorder une minute. 30 secondes. Allez-y, une minute. Dans notre on voit des débats et des débats minute. À longueur des journées allez-y, sur la question. Une minute. Écoutez, aujourd'hui, la vaccination... oui. Non. Parce qu'on nous parle d'AstraZeneca. J'ai vu dernièrement, le Danemark qui a rejeté carrément a refusé. AstraZeneca parce que c'est un vaccin qui crée des thromboses, la formation des cailloux dans les sang de ses compatriotes. Un vaccin dangereux alors, selon les Danois. Alors, mais pour d'autres vaccins, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer,
On les voit dans beaucoup ici, de pays. On va nous vacciner. Alors, AstraZeneca. Là, ça pose énormément problème. Faut dire au Congolais que c'est ça. Voyez-moi, non, Robert, jusque là, nous avons confiance dans le test. On nous dit que scientifique n'a pas eu l'étude sur le vaccin AstraZeneca. En tout cas, je ne suis pas vraiment rassuré. Si on peut mettre de côté AstraZeneca, on a que la biso vaccin Moussousou, on peut comprendre parce que aujourd'hui, on peut tout dire, mais je ne peux pas comprendre même si il y a eu beaucoup de théories par rapport à vaccin et là, pour rendre Bastille stérile et tout ça. Mais est-ce qu'on peut quand même vacciner le monde entier, les Chinois, les Russes, tout ça, les Français, les Américains? Pour maintenir ça, on n'a pas quoi faire. C'est une question que je me pose. D'accord. Donc je pense que finalement, les gens qui sont atteints de Covid ou pas, ceux qui veulent aller se faire vacciner, ils peuvent aller se faire vacciner. Toi, tu vas aller ou pas vacciner, mon souci. Non, aucun. T'es là, aucun non, t'es. Aucun non. T'es là, en tout cas, aucun non, t'es là. Ok. On t'a demandé un homme. Ah, on t'a demandé aussi. Moudjahidin. Oui. Pour ou contre la vaccination AstraZeneca? Farouchement opposé. Pourquoi? Pourquoi? On doit vacciner contre quoi? Contre le Covid-19. Le Covid, soyons sérieux. Covid, soyons sérieux. Ouais. Est-ce que pour, tel que vous êtes là, avez-vous déjà vu les lits de patients de Covid ici? À l'hôpital du cinquantenaire. Avez-vous déjà vu, vous, on a raconté. Mais les seules images. Le président est parti. Les seules images. Le président a tourné. Oui, mais quand nous voyons les images là où il y a réellement Covid. Les gens dans les réanimations. Vous voyez les gens dans les réanimations. Ah, bah, nous, la foufou. En train de se balader. Bah, ton Covid, au moins, mais voyez, aux États-Unis, en France, Brésil, Inde. Donc, et pas la bino au Covid et à copo y a l'état congolais. Tout à fait. Parce que la première victime au l'état congolais à la Kisabato, que au Yonde, à l'obit, non, c'est parce que Jenny Ken n'a jamais été atteint de Covid-19. Notre confrère, non, non, ça c'est vous qui le dites. C'est à vérifier. On est à la distance de Covid. On a 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 Covid. Je l'ai reçu sur ce plateau. Il a confirmé qu'il était atteint de Covid. Il a dit que c'est un confrère. C'est une source d'information. S'il vous plaît. Oui. Na lingi kokota na makambwa dignité. Mais ngana eli koloba boye. L'État congolais, okay. Première, soi-disant première victime à Covid. Okay. Oh, bah, l'État congolais, elle a qui ça? A Yemoko, le bâtonneau, elle a qui maladie? Yami Balé. Semaine passée, Bauti Kobe Nganga, le parquet général, il y a coup d'appel à Gombe. Famille Moko, il y a colonel Moko à Yébalé. Bamemine de Konabango, na hôpital Ngaliema. Malade a sali 3 jours dans la salle d'urgence. A côté 2 jours dans soins intensifs à Koufi. Famille Bachi Moutou 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 Nabango na morgue. Ba Zunginako. Ba yepo na ambouman. Ba koutu déjà ba tchena ba sachet ba commis Covid. Famille portait plainte. Au moment où je vous parle, le médecin et les coqs morts sont à Makala. Boye bisanga ke siko yo Covid ango yali wapi soufati beton la justice yami ba te justice au wapi yami ba ça veut dire que pas le makala avant toute chose n'a procédé pays n'a rappel national. OK. Etikali, il reste 979 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 679 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État, 411 pour Covid. OK. Merci. Mais pourquoi ce rappel national? C'est très important. Oui, tu le fais tous les jours. Parce non, que... aujourd'hui, le pays est en train de marcher en reculant à cause de ceci. Tu vas y revenir. Parce qu'on a un sujet par rapport à ça. Ouais. Eric Wemba, oui, en fait, lundi, tu te fais vacciner ou pas? Je ne vais pas être dans l'extrême comme Nico. Il y a réellement Covid, mais bon, je comprends Nico. C'est la légèreté, la manière de gérer cette affaire-là, notamment par le ministre de la Santé. Et Rizma qui vient de partir. Mais nous ne savons pas pourquoi il est cité dans les rapports de l'IGF. Nous avons vu seulement Bakunga. Pourquoi pas lui, qui est un proche de Tshisekedi? En tout cas, ça va nous prouver qu'il y a réellement l'état des droits. Eteni Longondo. Eteni Longondo. Parce que la manière dont il a géré Covid, il est cité dans des tournements. L'IGF a fait un rapport.
Pour Bakonga, c'est trop vite. Pour Etienne, ça traîne un peu, je ne sais pas. Tous ont été des ministres. Pourquoi ça traîne chez Eteni et ça va vite chez Bakonga. Donc pour les cas Covid, j'estime que la meilleure des choses pour nous mettre en confiance, parce qu'il y a des inquiétudes, le président Kagame lui-même est allé se faire vacciner. Donc moi je pense que le premier lundi, pour donner l'exemple qu'il y a, parce qu'on a dit que ça a été examiné ici dans notre monde scientifique, le premier d'entre les citoyens congolais, après lui, tous les ministres, tous ceux qui sont dans les institutions là, ça doit... Non, c'est le peuple d'abord. Non, pas le peuple, non. Kagame est allé se faire vacciner lui-même. Pour donner l'exemple à ses citoyens, voilà, moi, notre président, je me fais vacciner. Donc, il n'y a pas un danger. Joe Biden l'a fait. Donc, lundi, nous invitons le président de la République. Parce que nous avons des inquiétudes. Si lui le fait, nous aurons au moins l'assurance que ce n'est pas dangereux. D'accord. Nous invitons, je vais me vacciner. Après le président, c'est toute la présidence. Toute la présidence. Après le gouvernement, c'est mon pendé. C'est eux qui consomment beaucoup d'argent. Donc, le Sénat. Le bourgmestre, le ministre. Le petit peuple, après. D'accord. Nous ne pouvons pas nous servir des cobayes, surtout que les cobayes doivent être ceux qui sont dans les institutions, qui consomment l'argent de la République. D'accord. Pas les petits pays. Mais tout le monde les a cités. Mana Covid, il y a un beaucoup. Mana Covid, il y a quelqu'un efficace. Bizarrement, le génie créateur de Mana Covid nous a quittés. On a suivi des audios de sa famille qui ont crié un complot. Est-ce qu'on sait vendre nos intellectuels, nos savants? Est-ce qu'on sait les vendre? Est-ce qu'on sait le protéger? Est-ce qu'on sait promouvoir les nôtres? Est-ce qu'on sait vendre la main d'œuvre congolaise? Jérôme, est-ce qu'on a besoin de prendre même pour la presse des étrangers? Est-ce que Charles ne peut pas... Est-ce que le Congolais ne peut pas faire confiance à l'autre Congolais? Est-ce qu'on est aussi médiocre que ça? Merci de chercher. Je me pose beaucoup de questions sur ça. Mais je crois que le Congo changera le jour où... Là, je suis habillé en Congolais, fidèle téléspectateur, hein. Les jours où le Congolais mangera Congo, s'habillera Congo, dormira Congo et pensera Congo, c'est le jour que le Congo va changer. Donc on sera fiers de mettre ceux qui viennent de l'Italie, de la Turquie, ou encore de bouffer ceux qui arrivent des États-Unis. Ça va être compliqué pour nous. Ils ont besoin de pancréas, de reins, de nines, comme le rabisseau. Premier dossier, vous allez suivre Wankwenda, j'espère que je prononce bien le nom de mon vieux, que je ne massacre pas, a fait une proposition. On doit commencer à compter le mandat de Fatshi. Il a déposé au Parlement le mandat de Fatshi à partir de l'investiture de ce gouvernement. Nous allons suivre l'élément, nous allons suivre l'intéressé et on va se retrouver tout juste après pour commenter cette information. A tout de suite. Nous saisirons le groupe parlementaire de l'UDPS et alliés pour qu'ils puissent endosser l'initiative de la procédure de légiférer sur notre proposition ou équation premier mandat de Yafati égale nouvelle législature du Parlement en RDC. Voilà l'objet de la lettre. Donc nous demandons à l'Assemblée nationale, aux honorables députés nationaux, de confirmer ce qu'ils ont posé en acte selon l'article 114 de la Constitution, de le confirmer par une loi, une motion ou une résolution selon les cas. Mais nous pensons que ce sera une résolution dont nous avons fait d'ailleurs un projet que nous avons mis en annexe. Président, qu'est-ce qui vous motive à entamer une telle démarche? Je l'avais dit, je le répète, le président de la République, en prenant le peuple à témoin, avait dit dans le cadre de langue nationale, Kazi Inanza, Moussala et Bandi, Kisalo Mebanda, Mudimu Wabandi. Et le peuple congolais s'est demandé. Ça signifie que depuis 2019 jusqu'à fin 2020, il ne travaillait pas. Quand il dit Moussala est bandit, ça veut dire qu'il ne travaillait pas. Nous aidons le peuple congolais à répondre à cette question grâce à l'analyse politique et historique de tous les actes qui ont été posés depuis le discours du chef de l'État du 23 octobre 2020. Si jamais cette procédure n'aboutissait pas, accepteriez-vous le résultat?
pourquoi la procédure, vous avez déjà lu la lettre ouverte dont nous parlons. Nous remettrons la lettre, la copie de la lettre ouverte. Voilà, on a suivi religieusement. Non, je veux commencer par Nico Fembikai, qui d'ailleurs parlait déjà de ces comptages de ce jour. Vous avez suivi la proposition de Wakanda. Quelle est votre réaction? Vous avez 3 minutes. Bon, je pense que nous devons parler des choses sérieuses. Je n'aimerais pas me lancer dans le rêverie de gens. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 979 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 669 jours, au-delà des 100 jours du chef de l'État, 411 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Pourquoi ce rappel national aux gouvernants? Mettez-vous en tête que c'est un mandat, ce n'est pas une carrière. Mais ma question demeure, dans les deux exercices, 2019-2020, combien les gouvernants ont-ils déjà réservé à la CENI? Pendant la même période de Covid, il y a déjà 9 pays africains qui ont organisé les élections, des fois séparés. Pas plus longtemps que la semaine passée, le Tchad venait d'organiser le premier tour. On attend, s'il n'y a pas un candidat qui aura 50% plus 1, on aura un deuxième tour. La Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle séparée avec l'élection législative. Le Niger, 2 tours des élections. Congo-Brazzaville, Ghana. Tu as déjà posé 1 minute. Alors, pour cela, il faut que chacun fasse son travail. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. La proposition de Wakanda. Ce sont les témoins qui ramènent le PV, pas l'église catholique. Mais ce ne sera pas 979, comme tu le dis, parce que pour Wakanda, ça commence maintenant. Nkissa Lumebanda maintenant. Le chef avait dit que le travail commence maintenant. Bon, moi je pense que nous devons parler des choses sérieuses et des hommes sérieux. Oui, mais ils viennent de proposer à l'Assemblée nationale. Nous devons parler des hommes sérieux et des choses sérieuses. Pourquoi on n'est pas un homme sérieux? Je dis ceci. Vous voulez que moi, otage de principe, esclave de la science, que je me mette à m'essouffler à cause d'une tête brûlée? Pourquoi est-ce une tête brûlée? Est-ce que moi j'ai parlé de Wankwen? J'ai dit, vous voulez que moi je prenne le temps à parler d'une tête brûlée? À ce stade, qu'est-ce que les Congolais ont besoin? Les Congolais ont besoin de la sécurité. Que Fatih travaille pour qu'il y ait cette sécurité. S'il vous plaît. Faut que Fatih ait la première mission d'un État, oui, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. Mais Fatih a pris quand vous pays, perdez le temps. Mais Fatih a pris ce pays qui était dans quel état? S'il vous plaît, dans quel état? Vous ne savez pas quand même dans quelques années, vous allez dire qu'il trouvé, fasse, il a trouvé un pays dans le gouffre. Dans le gouffre. Vous trouvez un pays dans le gouffre avec une réserve, je ne dis pas que c'est beaucoup, plus ou moins 1,3 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, tous les rapports, Banque mondiale, aujourd'hui on est à moins de 600 millions de dollars américains. Vous trouvez un budget plus ou moins de 7 milliards. Aujourd'hui, on est en deçà de 3 milliards, non exécutés. Vous trouvez un savon le coq à 200 francs congolais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous parlez à un procureur général près le peuple. Hein? Quand vous, quand vous dites ça, hein? Vous ne voyez pas la souffrance de mon peuple. Hein? Son peuple. Vous trouvez un savon le coq à 200 francs. Ça va, monsieur. Moi, on appelle commis 500 francs. Et c'est la carte 280 francs. Je vous donne les chiffres. Et j'aimerais que, si on veut aussi me contredire, qu'on me contredise avec les chiffres. Vous trouvez un savon le coq à 200 francs. Aujourd'hui, il tourne autour de 500 francs à 600 francs congolais. Vous trouvez un litrage d'huile qui se vendait à 2400 francs congolais. Aujourd'hui, il est à 5100 francs congolais. Donc, s'il vous plaît. Parce que vous avez un sac de riz s'achetait à 28 000 francs congolais. Le sac de riz revient à 43 500 francs congolais. Aujourd'hui. S'il vous plaît, je vais vous dire. Les oignons, pas plus longtemps. Les oignons se vendaient à 21 000 francs congolais. Les mamans m'ont appelé hier. Et un filet d'oignons revient aujourd'hui à 58 000 francs congolais. Dites-moi. Vous voulez qu'on parle maintenant des impayements des entreprises? Transport. Il y avait zéro arriéré. Aujourd'hui, on est à 7 mois. Tu es corrompu pour livre l'aime, il faut dire ça à la télé. S'il vous plaît, moi je parle mon peuple. Hein. Tu es corrompu. Je dis ceci. Et vous, et moi, dans Tokota Gambela,
savon pris à savon à 500 wana. Il y a eu Zalakate, il y a eu Zalakate. Le loli qui moko, économie combien? Plateau y a marqué 4500 francs congolais. Dans le régime, avant le régime, il y a un boutiste. Le loli plateau a marqué 10 000 à 11 000 francs congolais. Sachet à sucre à 5 kilos, et Zalaka 5 500 francs congolais. Le loli sachet à sucre est commis 11 000 francs congolais. Oh, ma casse n'est pas pris. Mais en quoi je suis progrès, je vais prendre le peuple? Oh! En quoi je suis progrès? Attention! Moi, j'ai étudié le tête dans sa globalité. Donc, le pays a reculé d'il y a 50 ans. Bon, que pensez-vous de la proposition de Wakunda? Cette histoire-là, conformément à la Constitution, aujourd'hui, les gens ne veulent plus encore aider la Constitution en face. Hein? La Constitution, on peut convertir les actes. Ça vous prouve que ma Constitution est utilisée tous les jours. Ce ne sont pas vos Constitutions que vous mettez dans les tiroirs. Vous vous mettez vos Constitutions dans les tiroirs. Mais moi, la Constitution, je l'utilise tous les jours. D'accord, très bien. Alors, vous savez que dans ce pays, ceux-là qui parlent d'aujourd'hui que non, les mandats, il faut qu'on recouvre le mandat. Vous savez combien de bus Transco ont été brûlés, saccagés pour cause du respect de la Constitution? D'accord. Combien de maisons de gens ont été brûlés, saccagés pour respect de la Constitution? Donc, je vois le parti de plus mobile, le CNC. Allez, ils sont sous les arbres. Hein. Pourquoi cette maison avait été saccagée? Il y a un gouvernement, mais jusqu'aujourd'hui, il n'arrange pas la maison. Ils sont toujours sous les arbres. C'est pour vous dire que... Il a donné des jeeps aux gens, mais il ne s'est pas arrangé là où c'était brûlé. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Les gens peuvent se jouer de tout, mais il ne faut pas vous jouer jusqu'à ce point-là. D'accord. Charles, votre réaction par rapport à la proposition de... D'abord, mon nom, ce n'est pas Charles. Ça, je suis énervé. Mon nom, c'est Charles Quint. Charles Quint. Moi, j'arrête Charles. Non en fait. Charles Quint. Tu es Peter, on ne peut pas t'appeler Pete. Oh. Charles Quint. Voilà, c'est Charles Quint. D'accord, Charles Quint. Donc, Wakunda, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Nikombika et je le rencontre dans plusieurs, sur plusieurs plateaux de télévision et radio. Je n'ai jamais été d'accord avec lui, mais ça, je sais. Je suis d'accord. Je suis à 1 milliard de kilomètres d'avance sur le Je suis d'accord avec lui. Moi, je me disais qu'on devait parler des choses sérieuses et des personnes sérieuses. Oh. Mais lorsque on commence à souffrir, perdre le temps sur un plateau de télévision prestigieux comme celui-ci. Irresponsable. Charles Quint. Mais s'il vous plaît, Non, c'est important. Un cadre du parti présidentiel. Bon, écoutez. S'il te plaît, attends. Un cadre du parti présidentiel qui va au Parlement, où il y a les représentants du peuple. Déposer une proposition bon, vous banalisez. Non, écoutez, ils demandent même aux députés de leur. Ils ont 11 personnes au gouvernement. 11. Bon, comment vous pouvez banaliser des choses comme ça? Moi, j'étais en train de dire qu'on doit parler quand même de personnes sérieuses, mais pas des gens qui ont des fragilités psychologiques connues, comme c'est le cas. Oui, mais que pensez-vous de son idée? Est-ce que l'homme à qui vous faites allusion aujourd'hui avait fait sa prière au nom du Père Étienne, c'est pas moi tout ça. Du Fils Fachi. On a fait un débat ici. Et du Saint. Oui. Donc, alors, je trouve qu'en ce moment-là, il serait mieux que vous preniez aussi n'importe quelle comédie des histrions que nous connaissons dans ce pays politique ou quoi. Pour commencer à faire des émissions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit ceci. Nous avons tous suivi lorsque ces messieurs-là avaient fait sa première déclaration demandant à ce que le mandat du Félix Tshisekedi soit compté à partir de la sortie du gouvernement Samalou Kondé. On a vu Jean-Marc Kabound et tous les cadres de l'IDPS à CEPAS. Ils avaient fait une conférence de presse et au cours de cette conférence de presse-là, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, avait déclaré que Félix Tshisekedi va respecter la Constitution et il y aura les élections en 2023. Ça, c'est la voix officielle de l'UDPS. Mais si on peut commencer à perdre du temps pour parler des choses sérieuses qui intéressent les Congolais, en tout cas, je suis désolé. J'aimerais peut-être que vous accordez la parole à Eric Wemba. Il aura beaucoup d'éléments s'il trouve que ce monsieur-là est un homme sérieux
qui peut mériter l'attention des joueurs sérieux comme nous. C'est quand même sérieux, non? Est-ce que vous savez que le c'est monsieur... C'est quand même sérieux. Le monsieur dont vous faites... Non. Charles Quint. Ça aurait été... Charles Quint. Attendez. Ça aurait été Jamal Kaboun, Augustin Kaboun, tout ça. Mais vous parlez... D'abord, c'est monsieur. Est-ce que vous savez qu'on se dit des... S'il vous plaît. Tranquillisez-vous. C'est moi qui ai la police du débat. Est-ce que vous connaissez le parcours de Wakwend? Non, écoutez. Non, attendez, qu'est-ce attendez. Qu'est-ce que vous pensez? S'il vous plaît, tranquillisez. Mais je suis en train de répondre à votre je question. Je connais l'histoire de l'UDPS. Oui. Vous avez parlé de Kaboun et de Kabouya. Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Wakwend? Vous voulez que je réponde à cette question? Alors, j'ai dit ceci. Est-ce que vous pensez qu'un homme normal, je ne suis pas là pour faire la psychanalisation des acteurs politiques, mais est-ce que vous pensez qu'un homme normal peut faire une prière telle que au nom du Père et du Seigneur, qui fait tout? Vous pensez qu'un homme normal qui a toutes ses facultés en place peut se permettre de tels égarements? Merci. Et des journalistes comme ça, de ces pays respectables, peuvent perdre du temps ici, au lieu de parler de choses, commencer à aéroter autour de tels sujets. Non, Peter, je pense que cette émission est trop sérieuse. On doit passer aux choses essentielles au lieu que l'on perde des temps. Voilà. Merci. Pourquoi j'ai dit que je suis d'accord avec Nicolas. Merci beaucoup. Voilà. Mais tout sujet d'actualité fait partie de l'émission. Ce qui est peut-être moins sérieux pour vous peut l'être pour quelqu'un d'autre. Il est de Congolais. C'est votre point de vue. Hein. Moi, je vous ai dit que l'UDPS a parlé par des canons officiels. S'il vous plaît. Et nous avons la position de l'UDPS sur ça. Le journaliste donne l'info ou il commente les faits. Il y a un acteur d'un parti politique qui a fait une action. Le journaliste commente les faits. Si vous estimez que ces faits-là ne sont pas importants, ils peuvent s'avérer importants pour d'autres personnes. Ce que vous dites peut être contredit par quelqu'un d'autre. Ça s'appelle démocratie. Eric Wemba. Quand je suis Wakwend, j'ai une idée qui me vient en tête. Vous savez, la bêtise humaine a ceci de prodigieux. Hein? Qu'elle est sans limite. Moi, je ne prends pas Wakwend pour un fou. Je suis là, ça c'est Charles Quint, ils veulent nous distraire. Il y a des plans. Il y a un président qui a dirigé ce pays pendant plus de 2 ans. Il n'a pas un bilan à présenter aux Congolais en 2023. Il est en train de chercher des manœuvres. Il parle de voix officielle. Lui, il n'a parlé que de Kaboun. Mais vous avez suivi Kabouya. Ça a commencé par Kabouya. Oh non, on doit lier les élections au recensement. Il y a une telle pression. Kaboun, des ballons d'essai. Ils sont dans des ballons d'essai calculés dans les officines. Parce que le vrai problème de Tshisekedi, il n'a pas un mandat. Comment faire pour contourner les élections en 2023? Et tellement qu'il y a des pressions, on cherche. Wakwend n'est pas un fou. Il répond à un calcul. C'est un stratégème que nous, qui luttons pour la démocratie dans ces pays, que nous devons prendre au sérieux. Mais nous leur disons, ils nous trouveront sur leur chemin. Oh. Dans cette pratique, en tant que qui journaliste, en tant que journaliste, nous l'avons fait. Journaliste et combattant. Je suis journaliste engagé. Parce que c'est qui? Je suis. Quand j'ai dit journaliste engagé, parce que j'ai suivi les gens de Zongo, j'ai suivi Kito Tonlin, toi. Ils sont dans des vieux logiciels du journalisme. À partir de l'affaire Watergate, les journalistes sont devenus les chiens du garde de la démocratie. Watergate. Oui. James Madison, 4e président les américain. Il dit que les journalistes jouent un rôle de chien de garde. Parce que dans les journalistes ont dit non. Ils ont dit, messieurs, ne votez pas Fillon, parce que comme député. Il est trempé dans les affaires des emplois fictifs. Il a engagé sa femme et ses enfants qui touchaient de manière irrégulière dans l'argent de l'État. Pour la première fois, la droite au pouvoir n'a même pas été au deuxième tour. C'est que les journalistes ont un rôle à jouer dans ce pays. Nous, ici, dans ce pays, si vous ne le savez pas, pendant la colonisation, après les génocides de Léopold II, vous savez les rôles joués par les journalistes anglais? Edmond Morel. Oui, ils sont vus, ils ont dit qu'il y a génocide. Ici, nous, journalistes, nous sommes là debout pour dire à toutes ces manœuvres-là d'instaurer la monarchie présidentielle au Congo. Pour vous, c'est ce cabal qui est en train de se préparer? Oui, c'est des coups qui se préparent. Moi, je les prends au sérieux et je ne prends pas Wakwend pour un fou. Mais seulement, à chaque action, il faut une réaction. Nous disons, le mandat de M. Félix Tshisekedi termine le 25 octobre 2023 à minuit. Nous ne lui accorderons même pas une demi-heure de plus. Il n'a qu'à venir vers le peuple pour dire non, voilà mon bilan et que je me présente. Mais il n'a jamais dit qu'il va aller au-delà. Kaboun a dit, Charles Quint a dit, Kaboun a dit qu'en 2023, Kaboun n'est pas la voix officielle. Kaboun l'a dit. Sans les recensements, il n'y aura pas des élections. Kaboun l'a dit, Kaboun a dit, Kaboun ne le disait pas. Il y avait des matchs à la vie, venait dire tout ça, lui-même ne le disait pas. Mais plus tard, nous avons dit, on est venu avec une loi liberticide, notamment lier les élections avec les recensements. Et nous étions dans la rue. Moi, j'étais dans la rue. Nous avons mobilisé. J'ai rendu hommage aujourd'hui à mon ami Stanley Boudjakira. RTVS 1 à l'époque, nous avons dit, à l'époque,
avec le président Kamer en tête. Même Tshisekedi, l'IDPS, est revenu à l'ordre parce que la mobilisation était forte. Et on a retiré cette disposition, l'article 8 de la loi électorale. Quand quelqu'un m'a parlé, Lingala, à Tolomolian. Oui, donc ça commence comme ça. Et nous disons que nous sommes prêts pour les combats. C'est là à n'importe quel prix, parce qu'il y a aujourd'hui des intimidations. À n'importe quel prix, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays. Ce n'est pas ma personne, parce que j'ai dit que nous recevons des menaces. Et nous allons nous battre. Ce n'est pas la personne d'Eric Wemba qui compte, c'est les Congo qui comptent. Et Rossi nous a dit, nous allons colorer ces sols de notre sang. Pour vous que les générations futures ne vivent pas esclaves dans leur propre pays. Parce que nous vivons un esclavage avec une bourgeoisie comprador qui pille ce pays, qui gère mal ce pays. Pendant que les Congolais souffrent, pendant qu'ils ne font rien pour le bien-être du Congo, mais cherchent des stratégies pour se maintenir au pouvoir. Ils nous trouveront sur leur chemin. Je rappelle, le 19 septembre, on doit convoquer les corps électoraux dans ces pays. Il doit y avoir des élections. Autant que Félix Tshisekedi avait dit à l'époque de Kabila, s'il n'y a pas élection, il y aura transition sans Kabila. Nous lui disons, s'il n'y a pas élection en 2023, il y aura transition sans Félix Tshisekedi. Ça, nous mettons en garde. Mais on n'est pas encore en 2023. Et non, ça commence comme ça. Vous voyez, jusque là, on est entré, on n'a encore rien donné à la CENI comme budget. Il y a une volonté manifeste de ne pas organiser des élections. Et nous, nous ouvrons les et les bons. Wakenda n'est pas fou. Il est allé à l'Assemblée nationale. Mais si l'Assemblée adopte ça, vous allez faire quoi? Si l'Assemblée, parce qu'on n'a pas refusé de recevoir ça. Ils ont reçu. Les services courriers pour eux disent ça, c'est une folie. Non, on a réussi ça. Donc, on va étudier ça dans les bureaux d'études de l'Assemblée. Et un député peut proposer et puis on classe oui, ça. On peut classer ça parce que même un citoyen, il peut faire signer une pétition et il vient à l'Assemblée nationale. Mais nous disons, nous ouvrons l'air. Et les bons, il y aura élection de 2023. Au cas contraire, une transition sans Tshisekedi. D'ailleurs, moi, je propose une voie de sortie à Félix Tshisekedi. C'est un conseil à prendre ou laisser. Ou à laisser. Il y a eu un président sincèrement qui s'appelle François Hollande. Il a dirigé les Français. Au bas de ce sondage, il a dit, j'ai promis des choses à ce peuple. J'ai promis le peuple d'abord. Mais je n'ai pas pu réaliser cela. Je ne me présente pas pour un second mandat. C'est oui, ça le meilleur conseil que j'ai. Oui, mais c'est un bilan en 2023. Jusque-là, Tshisekedi a un bilan jusqu'en 2023. Jusqu'à on n'est pas encore en 2023. Écoutez, il y a déjà un gouvernement qui va entrer. Il va être jugé sur base de ce nouveau gouvernement qui, d'ailleurs, je vous pose directement la deuxième question, qui, d'ailleurs, risque d'être bloqué par les députés pétitionnaires. Non, c'est ça le problème. Au-delà même des blocages, moi, je demande même aux gens du FCC de ne pas tomber dans ces pièges, de bloquer ce gouvernement. Parce que là, ça va donner des prétextes à Tshisekedi. Non, j'ai voulu arranger. Qui n'a pas alors travaillé. Voilà. Ouais, parce que l'IDP, il est entré, nous voulons que ce gouvernement soit là. Parce que moi, je sais que ce gouvernement, je ne suis pas pessimiste à avoir sa composition de 5 à 7 membres. Et vous savez que dans les gouvernements passés, il y avait des ministres qui n'avaient même pas de voiture. Il y avait des ministères qui ne recevaient pas des frais d'émission. Les frais de fonctionnement. Il y a eu un diagnostic aux consultations nationales. On a dit ceci à Félix Tshisekedi, un pays comme le Congo, qui a un budget inférieur, que l'université de Bordeaux ne peut pas avoir un gouvernement de 5 à 7 personnes. Mais vous venez avec un gouvernement de 57 personnes, des chevauchements. Vous prenez un Ebera Kolongole qui a laissé les cadavres dans le placard avec 80 millions de quantités pétrolières là-bas. Vous l'amenez, ministre chargé du numérique, ministère des Travaux publics et aménagement du territoire. Mais on est là-haut, on est à la contre. Parce que on est dans les chevauchements là. Il y a un gouvernement qui sera budgétivore. Et je rappelle et je constate que tshisekedisme et fascisme, ce n'est plus la même chose. Tshisekedi Félix et s'est écarté de la ligne droite de son père Tshisekedi. Je rappelle, premier ministre à la conférence nationale souveraine, Tshisekedi a amené un gouvernement de 22 personnes. Il a dit que ce pays ne mérite pas un gouvernement éléphantesque, vu ses petits moyens. Et deuxième chose, Étienne Tshisekedi a dit, c'est que les gens oublient, il faut les rappeler, dans mon gouvernement, pas de ministère des médias et presse. On doit laisser les journalistes jouer pleinement leur rôle de quatrième pouvoir. Il n'y avait pas un ministère des médias. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir. Je n'ai rien contre Mouyaya qui commence déjà à bénéficier du pouvoir. Vous avez vu qu'il n'a pas attendu l'investiture pour recevoir les honneurs. C'est bon, c'est ce qui donne le pouvoir. Mais néanmoins, ces ministères n'existaient pas à l'époque de Tshisekedi. Donc on est là dans les signaux. Vous savez, moi je ne suis pas pessimiste. Vous savez, avant la pluie, il y a des signaux. N'est-ce pas? On peut dire non, il y aura la pluie. Voilà, le ciel est comme ça. D'accord. Mais les signaux qu'on nous a donnés là, avec un gouvernement de 5 à 7 personnes, avec l'inconscience politique de l'IDPS, et capons de dire aux gens, ceux qui ne seront pas là, ils vont se retrouver dans les entreprises. Et nos entreprises sont aujourd'hui des canards beauté, a besoin des managers. Ces garçons Kabound qui ne comprend pas la réalité. Le président a dit. Oui, oui, vous l'appelez président Kabound, de l'IDPS. Kabound, Eric Kabound a été d'un travail exceptionnel pour faire tomber
faut faire basculer les FCC. Il reconnaissait sur... Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il non, faudrait reconnaître... Pas. Moi, j'ai parlé de Eric fait. Lemba, nous sommes des journalistes. Les faits sont sacrés. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Kabunda était d'un travail exceptionnel. Bon, je ne sais pas si tu as eu un peu peur parce que j'ai eu qui t'a été dans le, dans le, attends, dans le basque, s'il te plaît. Dans le basque, je l'ai tweeté d'ailleurs. Je l'ai tweeté. Moi, j'ai dit que Kabunda a été d'un travail exceptionnel dans le basculement du FCC. Pour quel résultat? Attendez. Mais c'est ça le problème. La question, c'est le résultat. Je vais te donner la parole. Pour quel résultat? Je vais te donner la parole. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que vous dites là. C'est vrai, je reconnais. Ah, tu le reconnais maintenant. L'IDPS a remporté une victoire politique avec Kabunda. Mais néanmoins, une victoire politique. Quel est son résultat sur le plan social sécuritaire? Il y a l'insécurité à l'Est, sur le plan économique. Alors, à quoi sert une victoire politique si elle ne se concrétise pas sur le plan social, économique et ainsi de suite? Ça n'a rien dit. Moi, je relève un fait. C'est une inconscience de Kabunda. Quand il dit, ceux qui ne seront pas dans les gouvernements seront dans les entreprises. Nos entreprises se trouvent aujourd'hui dans un état décalé. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon que tu trouves chez Kabunda? Non, je parle de... Il y a une Kabunda folie. Je parle de ce qu'il a dit. Vous avez dit que j'analyse la terre. Il dit, ceux qui ne seront pas là seront dans les entreprises. Et vous connaissez les risques. Kabunda ne mérite pas les risques de la politisation de nos entreprises. C'est une inconscience simplement. Je pense quand même que Kabila, on peut tout dire. Kabila avait des cartes au bas moins. Vous ne pouvez pas prendre un garçon qui a pris son inscription à l'université à l'âge de 42 ans. On ne sait pas son parcours. Les seuls mérites, il a été arrêté à Kamina comme combattant. Voilà la personne qui nous dirige. D'accord. Charles, réaction. Je ne sais pas si tu as eu un peu peur. D'accord. Bon, tu sais que la peur, elle est relative, hein, surtout pour celui qui a été... J'ai deux prisonniers avec moi ici, quand j'étais bêté la kakébanga, t'es l'écoloïne d'Akofia Lobadok. Faut avoir fait la prison, sortir et dénoncer pour savoir ce que c'est la peur. Charles Kerr, dans un pays où règne la chicanie comme la République, dans une certaine mégalomanie, dans un certain... Eric est dans une mégalomanie. Dérapage, hein. Verbaux, on sait quoi faire des analyses tatillonnes qui concernent la société. Moi, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Est-ce que un journaliste sérieux qui analyse les faits politiques dans ce pays peut perdre de vue que la formation de tout gouvernement des coalitions à travers le monde a toujours posé problème? Vous allez me donner un seul cas d'un seul pays où la formation d'un gouvernement de coalition n'a jamais posé problème? Mais ça... attendez, il va prendre 4 à 6 mois. 6 mois, c'est quand même beaucoup. Mettez-moi de temps de parler. Allez-y. Vous tous sur ce plateau ici, peut-être à l'exception d'une seule personne, mais vous demandez à ce qu'il y ait déboulonnage de Joseph Kabila. Il fallait déconstruire le système Kabila. Il fallait bouter Kabila dehors parce que c'était lui, le mal congolais. Le seul mal que vous voyez dans ce pays, c'était Kabila. Et il fallait le déboulonner. Eric Wemba, ici, à maintes reprises, il a soutenu Wemba. Les concertations. Mais bien sûr, il a soutenu les concertations nationales. Il est là. Initié par Félix Tshisekedi. Il ne soutenait pas. Mais on s'est rencontré avec lui, notamment. Voilà. Kiosque. Aujourd'hui, il a changé. Mais aujourd'hui, que Félix Tshisekedi, sans coup de balle, ait réussi à déconstruire le système Kabila, on vient en ce moment-là dire qu'il est en train de nous faire perdre le temps. Moi, je suis désolé. Je suis désolé parce que vous, particulièrement Peter Tshiani, j'ai toujours salué votre combat. Vous êtes un journaliste qui a milité dans ce pays. Bravo! Vous étiez dans l'extrémisme, Peter Tshiani. On a un journaliste... c'est pour rire, tibaliste sur ce plateau, qui a défendu corps et âme, tibala, tibaliste ou badjibangiste, c'est selon, il est là, Nico Faye. Alors, aujourd'hui, ce sont ces journalistes-là qui ont, à un certain moment, accompagné le système de prédation qui était installé dans ce pays pendant plusieurs années. Le système de carrière. Aujourd'hui, que Félix Tshisekedi veuille déconstruire ce système-là pour que le pays puisse prendre un nouvel élan. Vous voyez des gens s'agiter, brandir les prix de sucre, un prix, de lipa, sacamakala. Oignon, vous voyez, le populisme est extrême, c'est le plus dangereux des narcotiques. Le populisme. Le plus dangereux des narcotiques. Et c'est ce que je suis en train de voir sur ce plateau. Est-ce que
sur ce plateau, vous pouvez me donner le prix du pain en 2000 ans, en 2001, 2002. Vous pouvez me dire le taux d'échange en 1997 était de combien? 1 dollar s'est changé à combien? On est à combien? Donc, est-ce que c'est ce qui est à la base de tout ce que nous avons connu dans ce pays? Les gouffres dans lesquels se trouve le pays aujourd'hui, est-ce que c'est... Mais c'est tout le monde ici qui a décrié le fait que le FCC bloqué le président Tshisekedi. Tout le monde l'a décrié, notamment Peter Tchani, Eric Wemba. Vous avez décrié cela, décrié plutôt. Mais aujourd'hui, on est à une première expérience. Et le gouvernement Samal Koumdé n'est pas encore investi. Il faut quand même laisser un peu de temps. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une analyse de la situation socio-économique de notre pays tout en mettant à côté la pandémie de crise de COVID-19 qui a secoué le monde entier. Et vous allez aux États-Unis, Donald Trump en a payé le prix, le lourd, je ne dirais pas les lourds tribus. Ça fait en sorte qu'il soit écarté. Attendez, et aujourd'hui, on fait des comparaisons de tout genre. Élections, 7 pays, Niger, Côte d'Ivoire, tout ça. Vous allez prendre ces pays-là, qui sont parfois à la taille de la province de Kinshasa seulement, ou bien de la province du Congo central. D'accord. Vous prenez, vous faites des comparaisons comme ça. Quel est votre avis? S'il vous plaît. Soyons quand même serrés. Vous pouvez prendre ne fût-ce que les budgets pour organiser les élections dans ce pays-là. Vous comparez ces budgets-là avec ce qui se passe chez nous. Les députés, vous allez voir que c'est le jour à la nuit. Les jours à la nuit. Les Congo-Brazzaville, c'est pas la République démocratique. Charles Quint, oui? Que pensez-vous des députés révolutionnaires? En une minute. Bon, les députés révolutionnaires, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de voir ces députés-là se comporter de cette manière-là. J'ai compris qu'ils veulent perpétuer les pratiques honteuse, odieuse, que nous avons décrié dans les régimes passés, parce que moi je suis un journaliste parlementaire, j'ai fait plusieurs années à l'Assemblée nationale, je sais qu'à chaque fois lorsqu'il était question d'investir le gouvernement, il y avait de l'argent qui circulait. Est-ce que doit-on continuer avec de telles pratiques? Et aujourd'hui, mais il faut des chefs gouvernement chef 25, de l'État 25% pour qu'ils perçoivent de l'argent, et ça c'est inacceptable. Et ce sont ces pratiques-là que nous devons condamner aujourd'hui. D'accord. Merci. Le journaliste tchibaliste, réaction. Bon, vous savez, je suis orthodoxe cartésien. D'abord, vous devez commencer par me demander pardon, vous tous qui êtes sur ce plateau, parce que vous avez fait tuer les gens qu'il y aura la transition de 6 mois sans Kabila. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? Il y a eu élection. Antoine, qui ne voulait pas des élections, il est devenu président grâce aux élections financées par Tshibala. Mais j'apporte à votre connaissance les 28 de ce mois, je n'ai jamais été à la primature, je n'ai jamais été dans un décret, mais néanmoins, sur le mérite, Antoine est devenu président suite aux élections financées par Tshibala. Mais vous avez parlé de transition de 6 mois sans Kabila. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? Mais je suis abasourdi. Au lieu qu'on fasse un débat d'idées, dans un débat d'économie, un débat de finances, s'il vous plaît, vous avez un plateau. Dorénavant, si vous engagez un débat d'économie et de finances, et si l'on ne vous amène pas les chiffres, virez ces messieurs-là sur le plateau. Moi, j'ai apporté les chiffres. Vous prétendez être... Est-ce que le peuple a besoin de manger, de la sécurité, ou bien le peuple a besoin d'un discours chimérique où il fallait démolir le système? Alors que les enfants, tes enfants, mes enfants, prennent les systèmes, le doublonnage là, mettent dans les casseroles. C'est ça? C'est quelle conception? Botika le kouta la binowana. Osuki. Bota monakina le kouta. On ne peut pas bâtir un pays sur la base des mensonges et des calomnies. T'as des places pour commis simbo kanelo. Banzerne sa de ça et koufi. Au sol qui n'a venu dima. A vu dima niveau ya Zigida. Papa Nangaï, Tika. Quand t'as venu Bongolo, Mawa, a venu Boussou Djano, a venu Kimweza, a venu Victoire, Popo Kabaka, Wangata, Kassavubu, Banzalez Soussouté, Boye Bissanga, soi-disant pouvoir Nabino Oyo, et même les populations, Nini, Nakaou Kakuna Kourez Soussouté, Maya Komela et Komi Passi.
yebisanga nanu régime ekenda ya Kabila mais lelo oyo to bongisi nini to futa ka tous batu batu futa ma juste kenga na RVA je pense que le député révolutionnaire papa la fraude corrompt tout parce que lelo na moni les gens ne veulent plus encore parler de constitution mais moi j'ai lu la constitution pour laquelle vous avez brûlé le bus de Transco, pour laquelle vous avez brûlé les maisons des gens. D'accord. Article... Faudrait nous faire signe qu'on est à la fin. Article 101. Qui nous donne... Le président Chabani qui nous donne deux minutes parce que Charlequin doit être recadré. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Le candidat aux élections législatives sont présentés par des partis politiques. Okay. Ou des recoupements politiques. Oui, où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que nous disons? Dans quel pays où on dit ça? Un député d'un parti politique, comment peut-il se retrouver? Des PPRD. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, celle inféodée à la présidence de la République, n'est pas au-dessus de la Constitution. Tous les actes que la Cour constitutionnelle doit poser, les arrêts rendus par cette dernière, doivent être à la conforme à la Constitution. D'accord. Il est le juge de la constitutionnalité. Donc, pour ou contre la position des députés révolutionnaires? Pardon? Pour ou contre la position des députés révolutionnaires? Moi, écoutez, je suis orthodoxe. Moi, je n'ai mot à ou du tout. C'est-à-dire, nul ne peut se prévaloir de sa propre étude. Mais dans le Congrès, il y a des gens qui ont été dans le et moi, quand on est ici, si on a un an 97, inflation et zongi du sous-sous. Dollar, unité, régime, oh, moi je vous donne des chiffres. Régime, oh, écoute, ça a unité dans 1600. Là, unité a commis combien? Ça a unité combien? 2200, 2400. Ok, alors. Vous avez 100 dollars, n'est-ce pas? S'il vous plaît. 160 000. On a compris. Le dollar est commis à 220 000. Okay. Pour Bongi Sinini. Ok. Wemba, une minute, je vais 30 secondes à Charlotte. Oui, quand il dit déboulonner les systèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas déboulonné les systèmes. Déboulonner les systèmes, ce n'est pas chasser l'homme Kabila. C'était changer les systèmes Kabila, déboulonner les systèmes Kabila. Mais quand on reprend les mêmes pratiques, parce que qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est que c'est du chantage. On les a habitués comme ça. Mbosso a sorti 12 millions de dollars pour ces gens-là. Après, il a sorti 5 millions de dollars. On a habitué. Ces gens réclament aujourd'hui simplement l'argent. C'est que ces députés-là font. Alors, ça a changé quoi? Si pour investir son gouvernement, les trésors publics doivent sortir de l'argent aux députés. Ce sont des pratiques que nous avons vues à l'époque de Kabila. D'accord. Si la rétro-commission, avec Acacia, avec je ne sais pas comment appelle, Ebera Kolongole, continue, qu'est-ce qu'on a changé? Ça veut dire que j'ai dit qu'on n'a pas déboulonné le système. Tous les gens qui ont nous, on a un changé car chauffeur. Mais nous, tout cas, moko. Okay. Donc, on n'a pas de problème. Je pense que Peter Tchani, vous êtes parmi un journaliste qui fait un grand travail. Merci beaucoup, Charles Leclerc. Des reportages, des interviews que vous faites avec l'UGF. En tout cas, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a connu hier. On est là dans un régime qui combat l'impunité, qui combat la corruption. Donc, aujourd'hui, il faut être aveugle, avoir une certaine myopie intellectuelle. C'est faire preuve de myopie intellectuelle que de ne pas admettre qu'il y a une lutte acharnée. S'il te plaît, avant de vous redonner la parole, je voulais dire ceci parce que Frédéric qui peut me faire pression de vous redonner la parole. Je voulais d'abord dire aux députés révolutionnaires comment nous allons juger le président s'il ne travaille pas. Comment allons-nous juger son bilan si le gouvernement n'entre pas en fonction? Il faudrait que nous puissions élever le niveau de l'amour de la patrie pour que chaque Congolais, Papa Molière, Eliezer Tambo et tous les autres, c'est un appel d'un citoyen congolais journaliste de son état patriote, si on peut mettre de l'eau dans notre vin pour que le gouvernement soit investi et que nous puissions juger le bilan du gouvernement sur base du travail fait. Une équipe qui n'a pas joué sur le terrain, on ne peut pas condamner cette équipe parce qu'on n'a pas vu cette équipe à l'œuvre. Et pour finir, pour le Congolais qui nous suivent, pour le Congolais qui nous suivent de par le monde, qui le Congolais pour nous suivre ici à Kinshasa, pour vous qui aimez Web Press, l'avenir du Congo est beau. Croyez aux Congolais. Croyez en vous. Vous êtes capable de changer votre vie. Parce que dans la vie, nous pouvons passer de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès et du succès à l'impact.
Seulement, si vous croyez en vous, si vous demeurez dans la vérité par rapport à votre conscience, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission éternelle.